Nous vivons dans, supposé dans la rubrique par nous, c'est place au public. Et moi, j'espère que vous parlez. Et que, en général, vous gagnez des questions, soit pour moi, soit pour l'invité. Okay? Et nous, invitez-nous à. Mais je vais rappeler nous que la rubrique ça, c'est pour vous-même tout qui la carrière qui a regardé l'émission, ou qui doit participer tout. J'aime nous habituer faire jusqu'à présent, nous qu'à écrire des SMS avec numéro de téléphone qui va être sur l'écran. Nous qu'à écrire nous tout dans adresse email nous, qui c'est dossier santé@commercial.yahoo.com. Alors, dossier, c'est Jean l'écrit, dossier@yahoo.com. Ensuite, nous sommes capables d'aller sur page Facebook, dossier santé, que nous sommes capables de communiquer avec nous sur page Facebook, ou bien sur Twitter. Tout sérieux, c'est des différentes façons que nous sommes capables de communiquer avec nous. Nous sommes communiquer soit pour nous faire un commentaire, soit pour poser une question, soit pour faire une suggestion pour l'émission. Nous avons même proposé des thèmes en dans l'émission. Et dernière raison capable de communiquer avec nous, si vous voulez venir participer dans l'émission, c'est vrai, nous avons un paquet de demandes, un paquet de monde qui m'a demandé pour venir dans l'émission. Mais écris-nous et puis ou pas j'en connais qui j'en nous capable peut-être bah ou possibilité pour venir participer en dans l'émission. M'a rappelé nous encore que c'est Axiom Graphique qui était allez juste Jacques Mel pour faire rubrique découverte là, c'est non souci pour permettre que l'émission paraît dans le prince et monde qui t'a parlé c'est des monde qui dans ville Jacques Mel et docteur en tout, c'est un docteur Jacques Mel qui travaille dans la clinique que au fait Jacques Mel sous question épilepsie ou encore maladie. Donc micro ouvert et si nous voulons poser des questions, nous pouvons le faire. Moi c'est Mieli Saint-Preux, étudiante en sciences diplomatiques et relations internationales à CEDI. Une question c'est pour madame. T'as envie qu'on ait, en fait, pour nous arriver là pour que tout point de vue illégal ça. C'est parce que je pensais que c'est parce que nous te manquons de mettre des stratégies sur pied pour t'empêcher de multiplier comme ça. Mais la question là, c'est que avant que nous fermions, si nous gardons son fermé, est-ce que si ce côté que y est, s'il est adapté à gagner en pharmacie, est-ce que nous pas avoir un avertissement et ben tout ça pour faire pour qu'à légal là avant que nous fermions. Merci pour la question. C'est une question très pertinente. C'est une occasion pour moi de compléter ce que j'ai commencé à dire au début de l'émission sur la démarche que nous avons entrepris, nous avons dépisté et 614 ça dans l'Ouest. Donc, nous avons d'abord, comme dit nous que le ministère de la Santé publique est conscient du danger hein, que l'établissement illégal a représenté. Point de vente, ça a représenté. Et en même temps, tout le ministère de la Santé publique a travaillé, toujours continue de travailler, il ne va jamais suspendre le travail sur ça. Mais normalement, nous ne voulons pas le fermer comme ça. C'est peut-être ça que nous avons fait un premier avertissement, nous voyons dire à travers les médias que nous invitons tout le monde qui a besoin de médicaments dans le pays, hein, toute structure qui a besoin de médicaments, sous pas en règle avec le ministère de la Santé publique, mais adresse pour venir présenter, il y a du ça pour faire. C'est ton premier démarche. Nous baillons une extension de 3 mois. Nous tournons prolonger l'encore, nous faire 6 mois encore. Malgré ça, son petit quantité assez minime qui te paraît. Qu'a dit moins qu'une centaine qui te paraît. Ça nous t'est fait, nous t'avons l'autre plan B. Plan B, hein, c'était écrit. Yo. Ministre lui-même écrit. Yo, et nous voyons dire que le ministère de la Santé publique, parce que nous avons adressé toutes. Nous sommes arrivés à faire un dépistage qui donne des informations, des données. À ce moment-là, nous voyons dans toute adresse, nous disons tout que nous sommes confirmés parce que nous voulons notre équipe à faire notre propre vérification pour nous assurer que l'adresse est bonne. Nous avons besoin de médicaments, tout bon. Et là, le ministre voyait une correspondance de nous. Il voyait dire que le ministère de la Santé publique identifie comme un point de vente de médicaments.
Li mandé parce que avant ça c'était dans journal, yo ta li doit dire pas toi dans journal, pas dans la radio. Donc deuxième phase, c'était yo recevoir une correspondance formelle signée par ministre santé publique là qui dit yo que nous reconnaître que ou son point de vente de médicaments. Donc si vous avez un médicament régulé par le ministère de la Santé publique, vous supposez passer le ministère pour venir régulariser la situation. Nous invitons mes adresses, mes qui sont bonnes situées, mes qui servissent de 8h à 4h du lundi au vendredi, ou avez besoin de qui pour aider. Ou. Et démarche ça, en fait, ça te visé. Il n'est pas visé pour te fermer. Il est visé pour évaluer en quelque sorte. Pour nous, est-ce que vous apte, est-ce que vous répond à nos noms? Ou bien ça dépend ça ou te gagne comme école là, si école là c'est ton école mineur. À ce moment-là, nous baba en temps pour yo vinn mettre en ordre et puis pour nous connaître pour fonctionner légalement. Comprendre parce que vu population noire, nous ta aimé que gon point de vente de médicaments ou bien gon pharmacie qui légal, bien dit légal qui dans chaque zone qui capable de servir population. Et si on pas jamais vinn légaliser ça, nous nous décider faire. Mais oui, ça c'était un autre point, c'était une autre phase dans la démarche, dans le processus. Là. Que les gens qui viennent, nous accompagner, nous rappelons que nous avons 69 dossiers qui étaient à l'étude. Il y a un inspecteur au niveau de la direction de la pharmacie qui a loué les gens qui ont rencontré la CAIO dans 69 là. Mais sur 69 là, il y a 6 qui ont été autorisation. Ouais, il y a 6 qui ont été autorisation dans 69 là. OK. Donc il y a l'autre phase, c'était moun sa yo qui pas venir du tout yo, qui pas répondre ni et information comme si a vinn dévoyé dans média yo, ni correspondance ministre signal voyé lui-même ba yo, ou bien yo té allé yo pas joine yo autre moun sa yo. Nous faire l'islan et puis nous remettre autorité qui concernait pour le faire suivi parce que ministère santé publique il y a limite quand même dans démarche là. D'après la loi. Bonsoir, moi c'est Lamine Mackinson, étudiant à la faculté de médecine et de pharmacie. Donc, question que moi pour poser, donc dossier qu'on a parlé aujourd'hui, c'est un dossier qui est très important et parce que moi-même moi c'est étudiant en pharmacie à la faculté de médecine. Donc moi-même moi pour aller côté qui plus loin parce que madame n'a parlé en plus sur pharmacie qui est légale. Moi-même, m'a avancé un thème pour me dire qu'une pharmacie légale qui est illégale encore. Parce que nous connaissons des médicaments, il y a une température exactement pour les stocker, pour les mettre. Donc, majorité pharmacie, ça, qui dit qu'il est légal, que moi connais moins lit, que moi est légal, qui pas répondre à nos noms. Donc moi-même moi t'a remis question t'a remis demandé c'est qui critère ministère la bail pour une pharmacie légale. Merci. Merci pour question là. En fait nous avons des normes qui établit là pour monde ouvrir une pharmacie. Donc comme t'ai dit au début émission. Donc depuis pharmacien respecter normes ça yo, pharmacien reconnaître par ministère santé publique. Mais une fois le fin gain autorisation de fonctionnement ça nous avons pour devoir pour aller effectuer des supervisions en dans des inspections en dans pharmacie ça yo. Nous avons des inspecteurs, il est vrai que n'a fonctionné avec un effectif qui restreint, mais il y a des inspecteurs qui allaient dans pharmacie yo, à le visiter, à regarder comment ça y est. Et d'ailleurs pour ouvrir pharmacie avant même ouvrir, il faut y aller faire une pré-inspection. OK? Lorsqu'on ouvre, il faut y aller faire inspection. Ensuite, nous avons des inspections de routine que on fait. Pour regarder comment la pharmacie a fonctionné. Et c'est une raison qui fait que nous demandons qu'il y ait un pharmacien qui est responsable technique, c'est que le pharmacien a un gros rôle pour jouer. Le ministère de la Santé publique finit une autorisation de fonctionnement. Donc, c'est lui qui est responsable de la pharmacie pour regarder est-ce que les médicaments dans la pharmacie, ces médicaments de qualité, est-ce qu'ils respectent les normes, est-ce qu'ils reconnaissent le ministère de la Santé publique, est-ce que les médicaments, ce n'est pas l'homme n'importe qui acheté, est-ce que côté source d'approvisionnement, est-ce que il a le ministère de la Santé publique, il a tout, est-ce que c'est le dépôt ministère de la Santé publique reconnaît, est-ce que c'est l'agence importatrice que le ministère de la Santé publique reconnaît, est-ce que c'est dans le laboratoire, toi, laboratoire, nous, que le ministère n'a reconnaît là, est-ce que c'est là d'acheter médicaments ça yo?
Donc, kounya, si vous pas acheté les médicaments là-dedans, vous achetez de l'autre côté, mais pharmacien responsable. C'est responsable technique qui fait gestion en dans pharmacie. Il suppose qu'on tout bagay ça. En même temps, tout suppose assurer que médicaments qu'on dans pharmacie ça, vous pas retrouvé dans la rue. À vendre dans la rue. Vous pas passé le circuit informel là. Donc, pharmacie ça, pas acheté pour circuit informel là. Donc, toute responsabilité ça, sous deux pharmaciens ça, qu'à gérer. Parce que nous pas qu'à passer dans la pharmacie chaque jour. C'est peut-être ça qu'on pharmacien là-dedans qui pour faire travail ça, pour assurer ministère là. Donc, pharmacien qui rentre dans la pharmacie, c'est garanti ministère là. Que travail nous m'a découvert là, bon monde qu'à assumer. Moi-même, moi, c'est Jérémica Clergé, étudiante en gestion des collectivités territoriales à l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Question pour madame, c'est que vu que nous avons une population qui n'est pas informée du tout, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé, qui n'ont pas même connu qui est fait, il y a un médicament qui un peu. Pas sous marché qui pas légal sous marché qui a fait sous lit. Alors nous écarter point de vente yo, moi même ça me carré me connaît qui gens ministère là lui-même li gérer source de provenance de médicaments ça. En parlant de laboratoire yo. Et deuxième phase question maintenant c'est que moi carré me connaît qui ça nous prend en compte contre moun qui dans la rue qui a fait des par exemple que relait tête agent de marketing tout ça qui gens qui ça nous compte faire contre moun ça yo qui ce sont des moun qui pas même formés parfois qui a vendre des médicaments des bagages qui a entré dans moun on ta remet connait qui ça qu'on ministère l'en prend comme responsabilité mesure. Merci. OK, merci. Tout d'abord, la question longue de partie. Première partie concernait en fait critères que normes que le ministère mettait pour accorder une autorisation d'importation. Mais t'as qu'à dire pour source, parce que vous parlez de source d'approvisionnement, pharmacie. Donc c'est lié aussi valable pour ça me dit tout à l'heure. Là, nous publions une liste, pharmacie qui doit fonctionner que le ministère la reconnaît. En même temps, nous publions la même liste, qui côté que pharmacie a acheté médicaments. Dans qui laboratoire, dans qui agence, dans qui dépôt. Donc, nous publions en même temps tout. Chaque année, on fait, chaque année, régulièrement, le ministère l'en publie. Et c'est la période ça, même, fin janvier, début février, nous commençons. Parce que nous prenons de octobre à décembre pour recevoir toutes requêtes, toutes demandes, que c'est la première fois que nous avons venu, que c'est renouveler la pour renouveler l'autorisation. Mais ça arrive que nous obligeons pour le mois de janvier, pour nous tendre ça qui sont en province, qui pouvait nous joindre, etc., pour y venir. Et puis après ça, nous publier l'islam chaque année, nous faisons. Nous projetons quand même année ça pour nous mettre le plus côté, pour plus moun ouel toujours, avec yeux, pour plus moun connel. Mais quand même, y'a une idée qui bon qu'à l'acheter. Soit sous site ministère, là, ou à poil. Ou besoin qu'on qui bon qu'à l'acheter médicament. Ou à l'ouel sous site ministère. Naturellement, moun ça va pas autoriser pour y'a vendre bas, y'a particulier. C'est pharmacie qui a acheté là. Deuxième réponse là, malheureusement qui parle en cadre et sujet du jour, parce que animateur te dit tout au début émission, hein, donc ça a fait objet d'un autre débat, parce que Fonda parlé longuement sous lit, mais nous conscients effectivement de ça et nous travaillons tout en même temps que nous travaillons pour l'établissement Iléco. Au début, vous avez parlé de pharmacie qui est légale, qui a une autorisation ministère. Puis à un certain moment de la durée, vous n'avez pas gagné même autorisation ça encore. Donc, vous avez connu qui ça qui fait que genre de pharmacie ça qui est légale perdu autorisation. Merci. Il y a plusieurs facteurs. Il y a que c'est le ministère lui-même qui décide que pharmacie ça va pas fonctionner encore. OK? Pour des raisons bien précises. Parce que nous découvrons la CAELI que la vente de médicaments contrefaits, il n'y a pas qu'à présenter ni papier, côté jeune papier, ni côté acheter médicaments, côté le sorti. Et nous voyons, nous prenons des échantillons que nous voyons là-bas à analyser, nous voyons que le médicament pas bon. Donc à ce moment, la pharmacie, ça, doit fermer. OK? Il y a une pharmacie tout qui a fermé parce que côté le situé, hein, pour une raison ou une autre, tout coup, après séisme, il y a une pile pharmacie,
qui t'est déplacé. Mais le déplacé, moun nan besoin continuer vendre parce que quand même li gon certain engagement face à population youn. Ensuite, li gen des prêts que l'te fait. Quand même faut l'honorer, faut l'arriver payer dette li. Donc li besoin ouvrir pharmacie bien vite et puis il prend l'al mette le n'importe côté. Ka il écrasé après tremblement de terre là et puis il prend l'al n'importe ça le joindre là, l'entrée là pour fonctionner. À ce moment ministère n'a pas ba l'autorisation comme ça. Donc ministère là Abdil ou entrer normalement dans ligne normal là ou manque si ou manque ça l'or fin joindre nous balbo autorisé mais pas supposé nous pas supposé normalement fonctionner. Ouais, mais il y a l'autre pharmacie qui décide peut-être pas rien doit dire que ah et chaque année m'aller année ça m'babal renouveler parce que li connaît pas joindre pharmacien ou il pas payer un pharmacien pour responsable technique pharmacien et ministère là va exiger que grand pharmacien qui fait gestion technique là. Il dit bon, ça me retire le budget manissa, on pas payer pharmacien. Donc il pas venir dans le ministère là parce que premier ça ministère va demander qui est-ce qui est responsable. Il faut pharmacien ça voyer toutes ces vel toutes papiers normalement pour nous reconnaître pharmacien. Donc s'il pas faire à ce moment le fermer, il y a d'autres facteurs encore qui fait que pharmacien il doit te fonctionner, il pas fonctionner encore. Ouais.